Bonsoir. Ça marche bien le micro, merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors j'ai pris ma petite anti-sèche, vous m'excuserez. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Maria Machoukeli. Donc je suis coprésidente de la SRF, qui est la Société des réalisateurs de films. Coprésidente aux côtés de Bertrand Bonello et Christophe Roudia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la SRF, en deux mots, c'est quelques 300 cinéastes et de courts et de longs métrages. Et par ailleurs, la SRF qui fête ses 50 ans cette année a été aussi celle qui a créé la quinzaine des réalisateurs à Cannes et le festival du moyen métrage de Brive. Voilà, donc on est très heureux. Et par ailleurs, on est une association qui se bat pas mal pour défendre le cinéma d'auteur. Voilà, c'est important, on le redit. On organise donc ces écoles depuis 2014 à raison de 6 par an. Elles sont gratuites, elles ne sont pas obligatoires, mais on est ravis de vous y voir. Ce sont des débats en général animés par des cinéastes, mais pas que. D'ailleurs, ce soir, c'est Baptiste Etchegaray qui va vous présenter, qui est journaliste et qui va animer le débat, autour de thèmes qui touchent évidemment au cinéma, mais aussi à différents combats politiques de l'association. Voilà. Alors, vous pouvez les retrouver si vous en avez envie. C'est là, c'est le moment pub. Sur YouTube, Facebook, mais aussi en podcast sur le Arte Blog. Et par ailleurs, celle-ci, donc musique et cinéma, nous l'avons organisée avec nos partenaires historiques qui sont la région Île-de-France, la SACD, et ce soir tout particulièrement la SACEM, et Églantine Langevin, qui est donc directrice du département cinéma audiovisuel et musique à l'image de l'Action culturelle. C'était long à dire, je l'ai dit en un trait, voilà. Avec qui nous sommes donc très heureux de co-organiser donc, cette école sur la musique et sur le cinéma. Voilà, j'ai été très courte. Maintenant, je vais vous présenter donc Baptiste Etchegaray, journaliste qui anime ce débat, Bertrand Bonello, cinéaste, et Yann Gonzalez, cinéaste tout autant. Voilà. Bonsoir. 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 Vos micros sont allumés? Je crois, oui. Parfait. Bonsoir, merci d'être venu ce soir. On nous avait dit 17 décembre, il n'y aura peut-être pas grand monde. Ben, si, il y a du monde. Merci beaucoup. On va passer 2 heures ensemble, donc, avec Bertrand Bonello et Yann Gonzalez. Avec eux, on va parler musique et cinéma, qui sont deux passions, je crois, qui les animent. On va parler de certains de leurs films, mais on va aussi parler d'autres films, des films qu'ils ont choisis. Je leur ai fait passer un questionnaire il y a quelques semaines, en leur demandant certaines de leurs séquences musicales préférées. Ils ont joué le jeu, très généreusement. On n'aura malheureusement pas le temps de tout écouter, parce qu'il y en avait beaucoup. On a fait une sélection avec Juliette Saint-Sardos de la SRF, que je salue, avec qui on a préparé cette rencontre. On a fait une sélection aussi en fonction de contraintes techniques et autres, et grâce aussi d'ailleurs à la Cinéthèque, qui nous a mis à disposition pas mal de films, et je les remercie, cette plateforme de VOD qu'on aime beaucoup. On a été guidé pour faire cette sélection par l'envie de vous faire dialoguer, de créer des ponts, qui existent déjà peut-être d'ailleurs. Et précision importante, chacun d'eux, Bertrand et Yann, ne connaît pas le choix de l'autre. On voulait garder un peu de suspense. Donc voilà. Frisson. Je ne sais pas si vous avez entendu en entrant dans la salle, les plus attentifs ont peut-être reconnu un morceau de la bande-son de Nocturama. Ton dernier film, Bertrand, tu l'as entendu? Tu étais déjà là? Oui, je l'ai entendu. Oui. Voilà. C'est très, très touché. Ça fait quelque chose? Oh, bah, toujours, surtout quand c'est inattendu. Oui. Voilà, c'était une petite surprise. Musique de Bertrand Bonello, j'avais envie de démarrer tout de suite avec ça parce que tout le monde ne sait pas forcément que tu es compositeur. On te connaît comme cinéaste, mais tu étais d'abord compositeur, tu as une formation de musicien. Et je voulais d'abord te demander, en fait, pourquoi la musique d'abord et comment le cinéma est arrivé après? Est-ce que tu es aujourd'hui plus musicien que cinéaste? Est-ce que tu es exactement les deux à la même hauteur? Alors, non, en fait, moi, je suis vraiment musicien à la base, pas d'ailleurs compositeur, mais vraiment interprète. J'ai fait beaucoup, beaucoup de piano, en fait. Et quand j'étais jeune adolescent, je rêvais un petit peu d'être chef d'orchestre. Et puis après, vers 13-14 ans, j'ai vraiment découvert
allez, le punk rock. Et j'ai quitté la musique classique et j'ai fait de la musique encore une dizaine d'années, mais plus dans le pop, rock, etc. Et j'ai longtemps été aussi ce qu'on appelle musicien de studio, donc j'accompagnais des gens à droite, à gauche, etc. etc. Et puis, j'ai fait une bascule vers le cinéma parce que j'ai eu... je pense que j'ai eu peur de m'ennuyer. Quand j'avais 25 ans, j'ai eu peur de m'ennuyer. Je me dis qu'à 40 ans, qu'est-ce que ça va être ? Voilà, je serai peut-être derrière Johnny Hallyday. Est-ce que c'est formidable ou pas ? Je ne sais pas. Donc, je suis rentré dans le cinéma tardivement et sans rien y connaître, mais avec un bagage musical assez, assez costaud. Alors maintenant, la musique, je ne la fais que pour mes films. Donc, elle est associée à quelque chose. Elle n'est pas dissociée. Je pense que je me considère maintenant plus... cinéaste, même si j'ai quand même une facilité avec la musique que j'ai pas avec le cinéma. La musique est quelque chose qui m'est venu très tôt. J'ai su lire les notes avant de savoir lire les lettres, par exemple. Est-ce que du coup, le fait d'avoir été musicien influe sur la musicalité de tes films ? J'imagine, hein, y a quelque chose de plus instinctif pour moi en passant par la musique. Et j'ai toujours considéré le montage comme une partition musicale, bien plus que comme une partition narrative. La musicalité, je ne parle pas de la musique, mais la musicalité, elle est assez importante dans ma manière de fabriquer, de diriger les acteurs. Souvent, je dirige sans regarder, j'écoute. Enfin, L'écriture, quand tu écris des scènes, tu penses déjà musique, son ? Je pense musique de manière générale, c'est-à-dire pas la musique forcément avec des notes, mais quel est le son d'un film ? Est-ce qu'une scène est bruyante ? Est-ce que c'est ce genre de sonorité ? Je dis beaucoup les dialogues à haute voix. Je pense beaucoup le son en même temps que les séquences et que l'image. Et je pense aussi la musique pendant l'écriture du scénario. Mais le son d'une manière large, en tout cas, oui. Quand tu composes cette musique, c'est toi et toi-même ? Chez toi ou dans un studio, est-ce que c'est quelque chose d'avantage solitaire ? C'est que je m'entends bien avec le compositeur, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est non, mais c'est qu'à moitié une blague parce que c'est très compliqué le dialogue entre un réalisateur et un musicien. C'est très difficile de parler de musique. Quand on travaille avec un scénariste, c'est assez facile. On décrit des choses, etc. La musique, il y a quelque chose de très abstrait. D'écrire un son, on peut décrire une image. C'est très compliqué de décrire un son. Donc il y a quelque chose qui dans le dialogue est difficile. Donc moi j'ai cette chance de pas avoir à engager un dialogue quand j'écris une scène et que je sens que elle a besoin de musique. Ben je vais dans mon petit studio et je commence déjà à sortir un petit peu des sons, des choses. Enfin c'est espèce d'aller-retour où quand je commence à écrire un scénario, je pense à ça. Sonorité, donc je commence aussi à faire un peu des morceaux, etc. Donc logiquement, quand le scénario est fini, la musique est finie aussi, tout est prêt. Tu parlais de dialogue, Yann, c'est pas toi qui compose la musique de tes films, mais le compositeur de la musique de tes films est quand même très proche de toi, puisque c'est ton frère, Anthony, avec M83. Comment se fait ce dialogue ? Est-ce que justement tu arrives à mettre les mots que tu voudrais qu'ils comprennent pour qu'ils composent exactement la musique que tu as en tête ? Bah, j'essaie de parler d'émotion. Donc effectivement, c'est abstrait, c'est difficile. Mais on a la chance d'avoir grandi ensemble. Donc on a traversé beaucoup de choses ensemble, on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de références. Donc on se comprend assez vite. Mais c'est quelqu'un de très, très obstiné, avec un caractère de chien. Donc là, c'est pas... Non, je rigole, mais à moitié. C'est toujours très difficile au début, en fait. Et une fois qu'on a trouvé la première couleur de la musique, après, tout va très vite. Mais le premier thème, là, sur le dernier film, par exemple, sur Un couteau dans le cœur, c'était dur, c'était tendu. J'ai senti que, voilà, on a mis presque un mois à trouver le premier thème, en fait. Et après, tout coulait de source, presque, partir de cette première couleur. Comment on trouve ? C'est soudainement des mots-clés, de dire le bon... Ouais, c'est trouver la couleur de la musique par rapport au montage, par rapport aux émotions des personnages, par rapport à... C'est quelque chose d'assez magique, en fait. C'est tout à coup, voilà, on tombe sur la bonne couleur et on la lâche plus. Et on fait des variations autour de cette couleur, quoi. On va entendre justement un peu de musique d'Anthony Gonzalez. Oui, c'est ça. M83, musique des rencontres d'après minuit. Un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Mon enfant.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où il vous livre ça, il vous fait écouter ça et... À vrai dire, est-ce que d'ailleurs ça se fait sur des images qui sont déjà existantes ? Est-ce que c'est... Oui, il travaille que seulement sur des images préexistantes, ouais. Donc sur le montage en fait. Il a besoin des images pour son inspiration. Donc, Et vous souvenez de ce moment-là ? Je ne me souviens pas spécialement de ce moment, mais je me souviens qu'on était, parti d'un autre morceau. C'est un morceau qui était utilisé pour une séquence de rêve avec une jeune fille qui traverse une espèce de dédale d'homme nu et qui vieillit au fil de cette traversée. Et on était parti sur le morceau, un morceau contemporain d'un groupe russe qui était très, très sombre. Et voilà, c'est toujours la belle surprise d'avoir quelque chose qui emporte le film, qui va un peu plus haut, un peu plus loin que ce que vous aviez imaginé au départ, quoi. Quelque chose qui est illustratif au départ avec le morceau que vous aviez en tête et qui devient un peu plus magique grâce à l'apport du compositeur, en fait. Et vous écoutez souvent de la musique ensemble ? Vous allez voir des concerts ensemble ? Non, parce qu'on ne vit pas dans la même ville. On vit un peu aux antipodes, il vit aux États-Unis. Donc on se voit malheureusement très peu. Non, de temps en temps, on s'envoie des albums. Mais on a beaucoup écouté la même musique quand on était enfant et adolescent. Oui. J'ai passé mes albums. Je suis l'aîné, il a 4 ans de moins que moi. Donc voilà, vous avez quand même les mêmes références, les mêmes... Oui, j'écoutais de la musique électro quand j'étais adolescent et il me piquait mes albums et lui était féru de Jean-Michel Jarre, donc voilà, c'était sa grande passion, c'était Jean-Michel Jarre. Il a fini par travailler avec des années après, donc c'est plutôt une belle histoire. Et voilà, il est devenu musicien alors qu'il était très très récalcitrant sur l'apprentissage de la musique. On avait la même prof de piano. Alors moi, j'étais très studieux, très bon élève et vraiment pas du tout doué pour la musique. Et lui, il fallait lui courir après pour jouer quelques notes, en fait. Et finalement, c'est lui qui est devenu musicien. Donc, c'est assez drôle. Je me trompe peut-être, mais c'est surtout pour vos films qu'il compose, qu'il fait la musique de films. Ouais, il a fait la musique d'un film qui s'appelle Oblivion avec Tom Cruise. Après, il a composé 2-3 morceaux comme ça, spécifiques pour un ou deux films américains. Mais sinon, il y a quelque chose d'assez naturel pour lui de composer. Un film de Gilles Marchand aussi qui s'appelle L'autre monde. Ah oui. Ouais. Voilà. Mais j'imagine que c'est peut-être avec vous qu'il a le plus de facilité, pas forcément, mais ou en tout cas. Je pense qu'il a du mal avec l'idée de commande et même si voilà, moi, j'ai l'impression qu'il fait des choses très personnelles avec des musiques de films. Il a toujours cette impression de commande et que voilà, il préfère être libre avec ses albums en fait. Alors, je voudrais qu'on voit. Maintenant, pour démarrer un peu ces extraits de films, on va démarrer en fait avec deux extraits d'un film de Yann, un film de Bertrand, qui ont en commun de se passer dans une boîte de nuit. Un couteau dans le cœur, ton dernier film, L'entrée en boîte de Vanessa Paradis, qui préfigure sa rupture avec sa compagne. Et puis Saint-Laurent, la scène qui est censée se dérouler au Palace, je crois. Ah, au 7. Au 7. Au 7, le fameux 7, où Saint-Laurent Gaspard Ulliel rencontre Jacques de Bachère, Louis Garrel, pendant que Loulou de la Falaise, Léa Seydoux donne absolument tout sur la piste. On va regarder donc ces deux extraits qui ne sont pas exactement dans leur intégralité, il a fallu qu'on les coupe un peu pour que tout rentre ce soir. Il faut qu'on se déplace, qu'on se mette au premier rang pour que tout le monde puisse bien voir. Donc première séquence qu'on peut intituler « Bienvenue au club ». À tous les deux, si en tant que réalisateur on prend autant de plaisir à tourner ces scènes-là qu'à les voir nous en tant que spectateurs. Est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a au départ une envie, un vrai désir de tourner une scène en club, comme quand on s'amuse et qu'on aime sortir ? Bien sûr, ouais. Après les scènes de groupe c'est toujours difficile. Pareil. Moi ma grande hantise c'est les figurants.
Après, là, c'est des figurants qui sont déjà prêts à tourner, parce que voilà, il y a une chorégraphie. Il y avait une chorégraphe sur cette séquence qui fait partie des danseurs et qui du coup, voilà, que du coup j'ai vu plusieurs fois, avec laquelle on a répété. Pour moi, c'était très très important. Alors, c'est pas toujours des choses faciles à faire entendre aux producteurs, parce que ça coûte un peu d'argent. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ces films où on entre dans une fête et on voit que c'est tous les copains du réalisateur qui sont là et qui dansent pas très bien. Et donc j'avais envie de gens qui dansent bien, en fait. Pour moi, c'est hyper important, la danse au cinéma, et j'avais envie que ça soit festif, que ça raconte aussi quelque chose d'aujourd'hui, parce que le film se passe en 79. Mais voilà, là, c'est des danseurs de voguing, donc on a un tout petit peu triché sur l'époque. Parce que le voguing, il est plutôt né au mi-temps des années 80. Et en même temps, il y a une résurgence du voguing aujourd'hui. Donc j'avais envie de ça. Donc c'est des journées épuisantes, parce qu'on a répété sur cette musique pendant toute la journée, et donc au bout d'un moment on en a un peu ras-le-bol. Là, il danse quand même vraiment sur la musique. Il danse sur la musique, ouais. Pour moi, c'était important d'avoir la bonne musique dès le départ. On a cherché les droits très en amont. Peut-être dire, c'est un morceau qui s'appelle La Malagueña, oui, de Pico, qui s'appelle Pico, ouais. Qui date de 79, en fait. C'est un morceau que tu connaissais déjà ? Non, c'est un morceau que mon superviseur musical a trouvé. Et voilà, que je trouvais hyper entraînant, baroque, fou, et qui datait vraiment de cette époque pendant laquelle le film est censé se passer. Mmh. Donc c'était parfait. Il y a quelque chose de tragique dans ce morceau et de festif à la fois qui me plaisait énormément. Ouais. Bertrand, plaisir. Non, mais j'aurais pu faire le même début de réponse que Yann. En fait, en effet, c'est la clé de la réussite ou de l'échec de ces scènes, c'est vraiment la figuration, en fait. Ouais. Donc ça, moi, j'en étais un petit peu conscient, et donc il y a eu un gros travail fait, non pas sur la chorégraphie, parce que c'était, mais sur la recherche de figurants. Et c'est tout un truc que j'ai fait moi avec quelques personnes dans le monde de la nuit, plutôt gay, etc. Où voilà, où des gens sont assez familiers avec cette manière de se mettre en scène. C'était aussi Saint-Laurent 72, le 7. Enfin, c'est avant tout, c'est la mise en scène de soi. Donc ça, il faut arriver à le produire, ça. Il faut arriver à le produire à 10h du matin, parce que c'est pas des scènes qu'on tourne de nuit. Merci de la convention collective. Donc voilà, et c'est facile les deux premières prises, mais quand on leur demande à 15 heures de s'y remettre, etc. Donc c'est vraiment la clé, c'est la figuration, je pense. Après, placer les acteurs principaux au milieu de tout ça, finalement, c'est assez facile. Et vous allez l'un l'autre beaucoup en club, il y a des choses qui vous inspirent quand vous voyez les gens danser? Moi, j'y vais plus. J'y suis un peu allé, ouais. Non, j'y vais ça plus. Ça ricane devant. Non, mais où aller, quoi. Il n'y a plus. Quand même. Il dit non, où par aller. Par ailleurs, moi, que j'ai passé beaucoup de temps en club à regarder les gens danser. C'est quand même un truc que je trouve absolument hyper beau, magnifique, émouvant. Enfin, peut-être, je crois, à part Tiresia, dans tous mes films, il y a quelqu'un qui danse, parce que je pense que ça me provoque une émotion très forte de regarder ça. Et encore aujourd'hui, si je vais en club, je vais regarder les gens. Ouais. Et toi, Yann ? Moi, je suis un. Ne me dis pas que tu ne sors pas. Si, je sors pas mal. J'ai un groupe d'amis un tout petit peu plus jeunes que moi. Enfin, des amis plus âgés, des amis plus jeunes aussi. Donc voilà, malgré mes 41 ans, je continue de sortir un peu moins qu'avant. Mais voilà, j'aime la fête. Je danse très mal, mais j'adore aussi, comme Bertrand, regarder les gens danser. Ça inspire des mises en scène, de les bien voir sûr, danser. Ça donne des envies de scène. L'énergie de la nuit, l'énergie de la fête, évidemment, est ultra inspirante. Ouais, ouais, ouais. Une envie parfois de recréer à l'écran une transe qu'on ouais. peut vivre. Ouais, ouais, ouais. Et puis tout à coup, une musique, un visage qui font éclore quelque chose de l'ordre d'une séquence. Ouais, 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 ouais. Je trouve que c'est le plus difficile à retranscrire, en fait, c'est par rapport à la nuit, hein, puisqu'on parle de ça. C'est ce sentiment du temps qui disparaît. Alors que dans une scène, il y a un temps qui est très court pour une scène, et puis qui est très présent dans un récit. Mais cette notion de perte du temps, qui est un truc assez beau de la nuit, en fait, et de la danse. On pourrait aussi faire durer ces scènes très longtemps. Ah, on pourrait faire une installation avec les rushs. Enfin,
C'est frustrant, j'imagine, quand on a des bons couper figurants. Ces scènes, en fait. On a envie qu'elles durent. Non, c'est pas frustrant, parce qu'après, on sait que ça s'inscrit dans un récit, et au contraire, c'est passionnant d'essayer de trouver la bonne durée. Et le bon mixage, parce que moi, je trouve ça très difficile à mixer. Moi, je pense que Saint-Laurent, on a remixé ces scènes peut-être une dizaine de fois. J'ai dû dépasser le mixage de 2 semaines, parce qu'on n'arrivait pas à trouver. Enfin, quand c'est pas assez fort, ça marche pas. Quand c'est trop fort, ça fait clip. Il faut trouver une acoustique. Enfin, c'est très, très... Quand la caméra bouge, il faut changer d'acoustique. Enfin, c'est très complexe à mixer, je trouve. Non, c'est vrai, faire vivre la musique telle qu'on l'a rêvée, c'est toujours compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine au départ. Le choix de ce morceau, donc c'est Patty Austin, Didn't Say a Word. Pourquoi ? Bon, moi j'ai une grosse collection de soul et de Northern Soul. Vous êtes un peu un grand fan de soul. Ouais. Et Northern Soul, ouais, fin 60 jusqu'à 75 à peu près. Ça se passe en 72. Le set était un lieu qui commençait à accueillir. C'était avant le Palace, donc c'était. Il était dans les mêmes locaux que le Palace. Non, c'était rue Sainte-Anne. C'était tout petit. Autant le Palace, d'accord, était gigantesque. Je comprends que le VIP, non, il n'y a pas au Palace un endroit qui était un peu. Le privilège. Ou le privilège, pardon. Ouais. Voilà. Le privilège qui était ouvert un petit peu après, qui était en barre. Non, ça c'était avant, c'est Fabrice Aymer qui l'a ouvert aussi. Mmh. Et au contraire du Palace, c'était tout, tout petit. C'était vraiment une petite boîte noire avec des néons comme ça. Enfin, on l'a reproduit à l'identique. Et il y avait ce DJ déjà, qui a fini au Palace ensuite, qui était Guy Cuevas, et qui importait des disques des États-Unis, d'Amérique du Sud, etc. Donc c'était la première fois qu'on entendait à Paris un petit peu ces sons en boîte de nuit. Donc j'étais attaché à faire écouter de la soul. Et ce morceau-là particulièrement, parce que vraiment, il me rend absolument dingue. Enfin, y a un truc entre les cuivres un peu James Bond et puis l'énergie de la rythmique, on a l'impression qu'ils vont tous mourir. La chanteuse qui donne tout, etc. Enfin, c'est un morceau qui m'électrise. Et c'était évident depuis très longtemps, depuis le traitement, que ce serait le morceau de cette scène. Oui. Ah, tu l'avais déjà en écrivant le scénario. Ah oui, tous les morceaux que j'utilise sont toujours écrits dans le script. Toi aussi, ce qu'on a tout de suite. Pas toujours, mais en tout cas, il faut tomber follement amoureux d'un morceau pour l'inclure dans un film. Ça c'est certain, parce que c'est un morceau qu'on va écouter, réécouter. Il ne faut jamais perdre l'émotion. Donc c'est cette émotion de départ. Il faut qu'elle soit très forte, qu'il y ait vraiment une espèce de choc émotionnel avec la première fois qu'on écoute le morceau. Et c'était le cas avec ce morceau-là. Et un morceau qui est arrivé un peu plus tard pendant la préparation du film. Quoi. Et un morceau qu'on écoute comme ça, qui arrive dans vos oreilles, peut déclencher l'envie d'une scène, voire même d'un film. Bien sûr, ouais. Ah, pas pour moi. Ouais, non. Non, c'est, en fait, pour moi, une scène n'est pas finie d'écrire tant qu'il n'y a pas la musique. C'est-à-dire que si je sais une scène de boîte de nuit que je n'ai pas encore trouvée, en fait, je n'ai pas trouvé la scène. Donc, ce sera dans le scénario et ce sera marqué, etc. En revanche, je me méfierais personnellement d'adorer un morceau, de dire j'aimerais que ce soit dans une scène, parce que tout d'un coup, je trouve que c'est la séduction de la musique qui va fabriquer la scène plus que la scène réelle. Et ça peut être dangereux. Oui, moi je trouve que là on parle de musique et de cinéma, et Yann et moi on utilise beaucoup de musique, etc. Et en même temps, moi je suis hyper conscient du danger de la musique, enfin de sa séduction, de son, enfin c'est quelque chose que même si, enfin qu'il faut manipuler entre guillemets avec précaution. Ouais. Alors Yann, comment tu fais pour ne pas te faire manipuler par la musique ? J'avoue que je suis un garçon très facile avec la musique, et que je cède très très facilement aux sirènes de la musique. Et voilà, quand je suis ému par un morceau. J'ai envie de faire partager cette émotion, en fait. Parce que parfois, tu t'es dit, après avoir tourné une scène, après avoir mis la musique sur une scène, de dire, bah, finalement, peut-être que c'était justement un piège, ou que ça marche pas, ou... Non, généralement, c'est une espèce de pacte spirit, presque, qui se trame entre vous et le morceau. C'était vraiment des morceaux qui me mettent dans un état un peu de transe, qui me donnent l'inspiration d'une scène, qui me livrent des visions. Et du coup, j'ai envie de rester fidèle à cette musique. C'est comme un pacte que je tisse avec elle. Quoi. Et d'ailleurs, comment vous l'écoutez, la musique ? C'est des écouteurs dans les oreilles ? C'est... Les enceintes à fond chez vous ? J'écoute beaucoup, beaucoup en travaillant. Donc j'ai vraiment 2 petites enceintes sur mon bureau. Enfin, rien de formidable. Ou alors, j'ai des très bonnes enceintes dans le salon et c'est dans le noir la nuit. Ouais. Un peu pareil. Après, quand je tombe amoureux d'un morceau, je deviens obsessionnel et
je le mets sur mon téléphone et je l'écoute en boucle, en boucle, en boucle. Dans la rue. Ah ouais, non, mais c'est infernal. Je peux écouter le même morceau que je vais utiliser dans un film. Je peux vraiment l'écouter 200, 300 fois. Au risque de plus en pouvoir ? Ouais, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin que le morceau provoque les stimuli de l'image, en fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer un film de Bertrand Bonello ou un film de Yann Gonzalez sans musique, comme font les Dardenne, par exemple ? Non. Non, mais en fait, moi, j'y songe parfois. Je me dis, tiens, ça devient un peu trop. Je commence à avoir une manière de travailler les trucs qui est un peu confortable, etc. Et puis après, il y a toujours un moment où je cède à mes démons. Après, il faut une très grande musicalité par ailleurs pour pouvoir se passer de musique. Enfin, par exemple, Bresson, il a mis très longtemps à ne pas mettre de musique. Après, il était catégorique, il disait la musique au cinéma, c'est de la merde. Enfin, il a quand même mis pendant 12 films avant de l'enlever. Donc, il avait 75 ans quand il a commencé à faire un film sans musique. De musique chez Bresson, c'est quand même assez sublime. Quoi. Voilà. Justement, on en verra tout à l'heure un extrait. Justement, Bresson, on va en voir tout à l'heure un extrait musical. Donc, pour moi, c'est... La musique raconte quelque chose comme un dialogue et parfois je préfère passer par le dialogue musical que par le dialogue écrit, par exemple. Donc pour l'instant, je la garde. Ouais. Alors je vous ai demandé à chacun de me donner certaines de vos séquences musicales préférées, une de vos séquences musicales préférées au cinéma. Vous avez choisi, Yann, la séquence d'ouverture de 3 places pour le 26. Pourquoi tu ris ? Non, parce que c'est un Demi qui est un film de Jacques Demi qui est assez mal aimé. Oui, pourquoi ? Je sais pas, parce qu'il est un peu excessif comme tout Demi. Il y a une certaine part de mauvais goût dans ce film là, et en même temps je le trouve particulièrement émouvant en fait et brillant en termes de mise en scène. Si on parle bien de la séquence des escaliers. On parle de la séquence des escaliers quand Yves Montand descend les escaliers de la gare de Marseille. Voilà. C'est le dernier film de Jacques Demy. Et toi, Bertrand, tu as choisi la séquence où Ingrid Cavan chante dans La Paloma de Daniel Schmitt. Pas mal. Parce que Ingrid Cavan, as-tu répondu sur le questionnaire. Parce que Ingrid Cavan. On va regarder ça et on en parle juste après. Très compliqué de trouver La Paloma aujourd'hui. Ouais, c'est bien dommage. Il faudrait vraiment restaurer les films de Daniel Schmitt. C'est un auteur complètement mésestimé. Et voilà, La Paloma et Cette nuit ou jamais, par exemple, moi que j'ai découvert récemment, qui est un film sublime. Ça, c'est vraiment des films qu'il faudrait rééditer en DVD, quoi. Non, mais ça va venir. Hein. C'est comme Schrotter. Oui, voilà, bien sûr. Alors Ingrid Cavan, Immense Passion, Bertrand Bonello. Oui. Pourquoi cette chanteuse? Cette actrice et chanteuse allemande qui peut-être est plus connue en France qu'en Allemagne d'ailleurs. Enfin, moi je suis vraiment vraiment amoureux d'elle, hein, donc voilà, je le dis. Pourquoi ? Dites-nous un peu. Pourquoi on est amoureux, ça je sais pas. Pourquoi je suis amoureux d'elle ? Après je peux. Non, je suis vraiment amoureux. Voilà. Après je peux dire, en effet, je trouve qu'elle a du génie, qu'elle a de la folie. Que j'ai eu la chance de l'accompagner un peu. On a fait quelques morceaux ensemble à Pompidou. Je l'ai trouvé dingue, ce qu'elle proposait, ce qu'elle faisait. J'ai filmé un concert d'elle. C'est complètement hallucinant. J'ai jamais vu. Elle avait peut-être à l'époque, elle a 80 maintenant, elle avait 72 ans. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi punk. C'est dingue ce qu'elle fait. Et que... Oui, c'est une chanteuse, mais enfin, c'est avant tout une musicienne. C'est-à-dire que ce qu'elle fait avec sa voix, c'est un instrument, c'est pas de la chanson. Enfin, et cette manière qu'elle a de pouvoir tout mélanger, la musique contemporaine avec Mozart, et puis de se mettre en scène. On parlait de la mise en scène de soi quand on parlait de Saint-Laurent. D'ailleurs, je pense que la robe est de Saint-Laurent, là. Elle était très amie de Saint-Laurent. Saint-Laurent avait une passion pour elle. Voilà. Elle avait une passion pour elle, et c'est une des rares femmes autour du sérail qui n'a jamais accepté d'être une muse, etc. Donc Saint-Laurent l'a respectée, et même Pierre Berger l'a respectée, vous dire. Donc voilà, mais je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui a du génie et puis qui a été au centre à un moment d'une sorte de triangle avec Fassbinder, Schrotter et Schmitt. Elle a joué dans des films de Fassbinder, elle a été, je crois, mariée avec lui d'ailleurs. Ça a été son épouse en effet. Ouais.
Et quand elle parle de ça, quand elle raconte ça, enfin, moi, je pourrais l'écouter des heures. Je suis très chanceux de la côtoyer. Je trouve qu'elle est incroyable. Quand elle va mourir, enfin, c'est des gens qui ne sont pas remplacés. Ça, c'est... Et cette chanson-là, en particulier Shanghai. C'est pas mon interprétation préférée. Elle l'a chantée au Pigalle dans un album très connu où je trouve plus beau. Mais ce plan, il est extraordinaire. Enfin. Tu te souviens de l'émotion que tu as eue en voyant la première fois cette scène? C'est par cette scène-là que tu es tombé amoureux d'elle ou non, en fait, c'est en passant du temps avec elle. Enfin, et puis moi, elle m'aime beaucoup. Elle m'appelle le petit comme ça. À chaque fois que je passais chez eux, elle était en robe de chambre. Elle me dit, ah, le petit est là. Elle partait comme ça. Elle revenait à 16h. Lunettes fumées, Saint-Laurent, le champagne, évidemment, toujours. Enfin, voilà, moi, je l'aime, quoi. Chez eux, c'est qui? C'est la compagne de Jean-Jacques Schull. Qui a écrit un roman sur elle. Un très beau livre. Ingrid Cavan, ouais. Qui avait eu le Goncourt. Tout en à 2000. Fait. Ouais. Et toi, Yann, alors ce Montand. Je te avoue que j'ai moins cette passion pour Montand. Tu n'es pas amoureux d'Yves Montand? À vous. Petite passion géronto cachée. Mais. Bruce Labou, ça fait un très beau film sur la gérontophilie. Oui. Alors, c'est pas du tout une de mes scènes musicales préférées, mais je crois que c'était tu parlais d'une comédie musicale et je trouvais ça amusant. Une scène musicale, une scène chantée. Une scène chantée, ouais. D'aller chercher un demi, justement, qui n'était pas forcément considéré comme majeur. Et effectivement, on sent que demi, dans cette séquence, est un peu dépassé par les années 80, par le mauvais goût des costumes, de la musique. Le Grand n'est pas au top de sa forme non plus. Et pourtant, il y a une espèce de joie à fabriquer cette séquence. Une joie de la mise en scène, une joie des danseurs. Et c'est communicatif, quoi. Une joie d'Yves Montand de chanter. Ouais, aussi. Et tout ça est un peu ringard et en même temps assez jouissif, quoi, je trouve. On peut dire que c'est l'histoire donc de Yves Montand qui joue plus ou moins son propre rôle. En tout cas, il s'appelle Yves Montand dans le film et il joue un chanteur de music hall qui revient à Marseille 20 ans après avoir quitté la ville. Et donc il vient chanter sa vie sur scène, la danser et il retrouve. Un amour un peu perdu, qui est joué par Françoise Fabian. Et il tombe plus ou moins amoureux. On va dévoiler le poteau rose, mais... Oui. Il tombe sur quelqu'un qui... Voilà. Sur Mathilde Amé. Et c'est un film hommage aussi, même aux comédies musicales en général, mais aussi avec des citations de Michel Legrand et des films de Demi. On entend quelques airs quand il joue sur scène. Bon, pas ouais, là, ce qu'on a c'est, vu, mais... c'est une sorte de baroud d'honneur, de feu d'artifice final. Avec un cinéaste qui part au meilleur de sa forme et qui en même temps donne tout, quoi. Donc c'est assez beau, c'est triste et beau à la fois, quoi, je trouve. C'est la comédie musicale, c'est un genre qui te plaît beaucoup? Pas du tout. Ça tombe bien. C'est pour ça que j'ai eu du mal à en choisir une. J'avoue qu'à part les films de Demi et bon, même les grands films américains musicaux, j'ai pas une grande culture de la comédie musicale, mais c'est pas quelque chose qui me touche. J'adore la musique au cinéma, mais les gens qui chantent, généralement, je sais pas pourquoi, mais c'est compliqué pour moi. Donc on peut pas trop imaginer une scène d'un film de Yann Gonzalez chanter une scène de comédie musicale. Ça pourrait m'arriver, mais comme ça, le temps d'une séquence, mais tout un film chanté, je pourrais pas, non, je crois pas. Sur la chanson au cinéma, Bertrand? Pareil, ça, j'ai pas trop la culture. Ça m'intéresse quand c'est Minelli, parce que Minelli, ses films sont tellement fous. Enfin, la mise en scène est tellement dingue. J'ai mis vachement de temps à pouvoir regarder. J'étais pas. C'est assez rare, parce que souvent, quand même, en France, les cinéastes français adorent citer Demi. Il faut aimer Demi. Je vais dire un truc inavouable. J'ai un petit peu du mal avec Michel Legrand. Oui. Voilà. Voilà, je suis désolé. C'est courageux de le dire, alors qu'il est encore là. Je sais. C'est purement des histoires d'harmonie, etc. C'est vraiment. Donc les parapluies, les demoiselles, tout ça. J'ai mis beaucoup de temps à le voir. Là, je trouve ça très bien, mais j'ai quand même harmoniquement, ça me frotte un peu. Plus de mal à l'entendre qu'à le voir, peut-être. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est pas des musiques que j'écoute tout seul, mais les parapluies de Cherbourg, comme tout le monde, me bouleversent malgré tout. C'est ton préféré? Oui, je crois que c'est le plus émouvant, en tout cas. Le plus mélo, le plus singulier, le plus extrême, quoi, dans les sentiments. Donc oui. Est-ce que la chanson française, en tout cas, fait partie des musiques que vous écoutez?
parce que vous êtes féru de chansons françaises. Tu as utilisé un morceau de Jeanne Moreau dans ton dernier film, Un couteau dans le cœur. On l'entend. Oui, mais c'est une évocation. C'est une évocation. C'est un morceau qui venait d'un autre film, qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Absence répétée de Guy Gilles. Donc c'est plus une citation de ce film et de cet amour impossible vécu entre Guy Gilles et Jeanne Moreau. Parce que, voilà, ils ont une histoire d'amour tragique. Guy Gilles a tenté de se suicider après son histoire avec Jeanne Moreau. Donc c'est plus une évocation de ça et du souvenir de ce film, de l'empreinte de ce film, que de Jeanne Moreau elle-même, quoi. Enfin, en tout cas de Jeanne Moreau chanteuse. J'adore Jeanne Moreau actrice, mais j'écoute très peu Jeanne Moreau chez moi. J'écoute très peu de chansons françaises, à vrai dire. Et toi, Bertrand ? J'ai pas tellement cette culture non plus, mais mes parents n'en écoutaient pas du tout. Chez moi, c'était que du rock ou de la musique classique. Et donc, il y a quelques chansons ou chanteurs ou chanteuses que j'aime bien, mais enfin, j'ai pas du tout cette culture. Ouais. Tu viens de dire musique classique. On va en écouter, justement. On va convoquer deux compositeurs français. Un de la fin 19e, 20e, Gabriel Fauré. Un du 17e siècle, Jean-Baptiste Lully. On va entendre le premier dans son Requiem que tu as choisi, Yann, qui ouvre Corps à cœur de Paul Vecchiali. C'est le générique d'ouverture, un film de 78. Le plus beau générique en musique, m'as-tu dit. Et puis Lully, c'est pour la toute fin de Pickpocket de Bresson, film de 59, une séquence qui vous émeut beaucoup, Bertrand Bonello. Je te cite, comment en une phrase, en une seconde, on revisite le film qu'on vient de voir. Eh bien, let's go. Jeanne, pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre. Alors, Corps à cœur, pourquoi c'est le plus beau générique du monde en musique ? Je sens tout l'amour de Vecchiali pour ses acteurs, en fait. Je trouve qu'un film qui, dès l'entame, dessine la trajectoire narrative et amoureuse de son film, de ses personnages, je trouve ça hyper osé, en fait. Voilà. Dès le premier mouvement de caméra, on part de cet homme et on va jusqu'à cette femme. Et tout le film va raconter cette histoire d'amour. Et le faire avec un requiem, ça donne tout de suite la dimension évidemment tragique de l'histoire, du film. Et en même temps, il y a c'est tous ces visages qui vont aussi traverser ce mouvement de caméra et qui sont des visages importants pour Vecchiali. Regarder avec passion, regarder avec tendresse. Et ça m'émeut au plus haut point. Et puis il y a cette convention du cinéma de présenter des acteurs au fil de la musique, de mettre le nom des acteurs quand ils apparaissent à l'écran. C'est très simple, c'est très fort, ça me touche énormément. C'est l'histoire d'amour, l'histoire d'amour entre un homme et une femme ils sont réunis grâce à ce requiem. Ils se rencontrent là, dans l'église, grâce à Fauré. Grâce à Fauré, et ce sera leur... C'est de ça qu'ils vont discuter, c'est ça qui va les rassembler. Ouais, ils vont parler de musique, oui. Et puis il y a la pavane de Fauré qui va arriver, qui va amener l'amour aussi. Donc on reste pas seulement dans le requiem, il y a l'acmé de l'amour qui passe par la pavane aussi. Ce qui est beau, c'est que ça les réunit alors qu'ils sont de classe sociale différente. Lui, c'est un garagiste, elle est une pharmacienne très bourgeoise. Et c'est lui qui se distingue un peu de sa classe sociale en étant un érudit de Fauré, en parlant. Et là, peut-être la musique est un élément qui permet de transcender les conditions de classe sociale. La musique rythme les affects. Donc oui, on parle de ça, on la dissèque, on la vit, elle fait vibrer les personnages. Donc oui, elle est au cœur du film. Et tu écoutes beaucoup de musique classique ?
pas autant que je le souhaiterais. C'est-à-dire j'y entre un peu par réfraction. J'ai pas une grande culture de musique classique, donc voilà, de temps en temps, je mets un peu de classique, mais ouais, c'est pas ce que j'écoute le plus. Mais je vais y venir. Je me dis que j'ai encore un peu le temps. Oui. Et alors toi, Bertrand, Pickpocket, pourquoi cette scène t'émeut ? Pourquoi elle m'émeut ? En fait, je me souviens du moment où je l'ai vue pour la première fois et je l'ai pas vue arriver, quoi. Enfin, j'ai pas vu arriver cette fin. J'avais pas compris que ça racontait ça. Enfin, je pense que c'est le but de Bresson aussi, de nous faire justement revisiter. C'est un film qui raconte un jeune homme solitaire qui vole des portefeuilles dans le métro, dans la rue, qui le fait de façon très méthodique, très stratégique. En fait, on apprend quels sont ses stratagèmes. Il apprend aussi auprès d'autres. Et il finira donc effectivement en prison. Et en une phrase, il nous fait comprendre que tout ça n'était qu'une histoire d'amour. Et c'est d'abord la beauté de cette phrase qui a beaucoup été citée. Oh Jeanne, pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre. C'est quand même absolument splendide. Et ça fait revisiter en une seconde le film. Et ça, plus la musique de Lully, moi je me souviens la première fois, mais j'ai vraiment fondu en larmes. Et toujours maintenant régulièrement. Enfin, c'est vraiment une émotion basique, hein, mais très 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 forte. De ces deux musicalités, enfin la musicalité de la voix off et la musicalité de cette espèce de croisement qui fait. Enfin, Bresson, il le dit aussi beaucoup, hein, que la voix humaine est une des plus belles musiques, donc ça, il l'utilise très 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 bien. Et c'est vrai qu'il y a un surgissement à ce moment-là qui est époustouflant de beauté et d'émotion. Ouais. Et tout en sobriété en plus. Hein, oui, la voix humaine et en même temps, il y a quelque chose de complètement divin, là. C'est la grâce divine qui semble sauver. La damnation. Je ne sais pas comment il a trouvé cette espèce de croisement, etc. Mais enfin, c'est la grâce, quoi. Ouais. Vous en écoutez beaucoup du classique, vous qui venez du classique. J'en ai beaucoup, beaucoup écouté, beaucoup joué, beaucoup moins maintenant, beaucoup moins. Ouais. Mais pareil, je vais m'y remettre. Enfin, c'est on m'a proposé. Non, mais c'est des cycles en fait. Hein, oui. Des moments où on écoute beaucoup dans ce genre de musique et puis voilà, on passe à autre chose. Et... Il te reste quoi de ta formation classique en musique? Qu'est-ce qui me reste? Je pense la compréhension d'une partition. Jouer, je sais plus. Enfin, j'ai plus du tout. Mais en revanche, la compréhension d'une partition, ça, oui, oui. J'en ai beaucoup, beaucoup étudié, en fait. Mais aujourd'hui, tu composes de l'électro. Oui, c'est beaucoup plus facile. Hein. Ouais. Et tu pourrais composer autre chose? Non, je pense pas. Non. J'avais commencé des études de composition, puis j'avais un peu lâché. C'est complexe quand même. Est-ce que la bande son de Saint-Laurent est en ça assez, elle est vraiment moitié classique, moitié pop, rock. Je me suis mis dans la tête de Saint-Laurent. Enfin, c'est-à-dire que sa vie, c'était, il écoutait de l'opéra toute la journée et le soir, il allait en boîte de nuit. Donc je me suis dit, voilà, c'est espèce de. Et après, j'ai senti en faisant le film qu'il manquait un troisième truc. Et ça a été la musique entre guillemets originale, qui était un truc un petit peu plus. Plus froid, et j'ai pensé au premier groupe de Cole des années 70, voilà, pour faire une espèce de triangle entre ces deux choses très chaleureuses et quelque chose d'un peu plus un peu plus glacé qui est un petit peu le personnage de Louis Garrel en fait, ouais. Mais la musique sacrée aussi, c'est quelque chose Alors qu'est-ce que c'est la musique sacrée, c'est quoi? Celle peut-être déjà qu'on peut entendre dans une église. Oui. Ce sont des commandes à la base. Donc voilà, je fais pas trop de dissociation entre la musique sacrée et la musique qui ne l'est pas. Ça m'a étonné d'imaginer choisir une scène qui démarrait dans une église. C'est pour mieux la transgresser. Mais, mais tu écoutes aussi des concerts dans des églises? Non, ça a dû m'arriver quand j'étais très jeune, mais j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas écouté un concert dans une église. En tout cas, là, dans les deux extraits, il y a donc un générique d'ouverture et puis une fin. Est-ce que les génériques, c'est quelque chose que vous soignez particulièrement? Alors, soit on en fait un très beau et très pensé, soit on n'en fait pas. Enfin, pour moi, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai soigné. Il y a celui de la Polonide que je trouve assez réussi. Mais qui était écrit aussi. Sinon, je suis très simple, quoi. C'est carton. Voilà. Mais il y a des génies, des génériques. Hein.
Les films de Cronenberg ont tous des génériques très beaux. Évidemment, tout ce qu'a fait Soul Bass, ou c'est Générique de Vertigo. Vertigo, Casino. Mais sinon, quand on n'a pas cette possibilité, je pense qu'il vaut mieux faire simple. Toi, Yann, tu passes du temps sur tes génériques ? Ça dépend aussi. C'est vrai que j'aimerais penser le générique dès le scénario, mais généralement, c'est plutôt quelque chose qui vient au montage. Et du coup, il y a moins le temps de la penser. Donc, soit oui, on va vite, soit on essaie vraiment de fabriquer quelque chose comme une séquence. À proprement parler, ce que j'ai fait avec mon dernier film pour le générique. Ouais. Et ben justement, on va regarder un extrait du générique de ton dernier film. Qui, moi, m'a fait... Générique de fin, oui. Générique de fin, oui. Ouais. Un couteau dans le cœur, qui m'a fait penser au générique d'ouverture de Nowhere, de Greg Araki. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit oui, effectivement, le rapprochement est exact, mais j'y ai pensé après avoir fait le film. C'est vrai ça, oui, c'est oui, quand c'est on vrai. Le voit, on a vraiment. Enfin, mais cette séquence n'était pas pensée comme un générique. Au montage, ça nous a paru juste de mettre les premiers crédits du générique sur cette séquence. Mais au départ, c'était une séquence de fin. Et Nowhere est un film très important de Greg Araki. Ouais, c'est le film de ma génération. C'est un film de 97. C'est le film de mes 20 ans. Donc oui, c'est effectivement, c'est un film très très important. Et oui, dans les crédits, dans l'arrivée des crédits, dans l'espèce de nappe un peu planante que j'ai utilisée, on retrouve un peu l'atmosphère de Nowhere, effectivement, et dans l'érotisme aussi, je crois. On regarde ça tout de suite. C'est une sorte d'écho, un écho, Bertrand, Yann Gonzalez, Greg Araki. Il y aura un écho plus tard avec Bertrand Bonello et un autre film. On regarde ça tout de suite. Le lien est inconscient et pourtant assez évident. Ouais. Quand on les voit bout à bout, oui. Le blanc des décors, le bleu des crédits. Ouais. Après, Nowhere, c'est un film que j'ai vu 20 fois. Donc ça m'étonne pas que ça rejaillisse quelque part. Quoi. Pourquoi ce film ? Parce qu'il parlait, j'avais 20 ans, il parlait de gens de 20 ans, il parlait d'amour pansexuel. Parler de drogue, de fête, de joie, dans un univers très, très onirique. Donc ouais, c'est un film qui me parlait énormément, avec un grand amour de la musique. Je pense que les BO des films de Greg Araki sont peut-être les plus excitantes du jeune cinéma américain. Ouais. Avec ce morceau de Slow Dive, ouais, que tu as découvert en voyant le film, je crois. Ouais, j'ai découvert Slow Dive avec ce morceau qui s'appelle Avaline 2. C'était les débuts du MP3, donc j'ai mis un peu de temps à le trouver. Et voilà, Slow Dive est devenu un de mes groupes préférés. C'est quoi, c'est un groupe de shoegaze. Ouais, c'est vrai shoegaze, on peut dire ce que c'est un peu le shoegaze. Ouais, comment on peut définir le shoegaze ? Ça vient des guitares saturées. Et, c'est des gens qui regardent leur pompe en jouant de la musique, donc c'est très introspectif. Oui, okay. Je crois. Et puis une sorte d'intensité émotionnelle qu'on gravit échelon par échelon, quoi. C'est ça qui me plaît, c'est cette espèce de crescendo et de son très saturé et en même temps très mélodique en fait. Très mélancolique. Et très mélancolique, ouais. Ça revient souvent. Et en même temps avec une espèce de violence qui boue à l'intérieur. Et c'est vrai que voilà, j'ai utilisé aussi un morceau de shoegaze dans un garçon qui s'appelle Jeffrey Cantoulet Desma. C'est ça, là c'est pas M83 hein, qui a fait la musique générique. Non, c'est un morceau préexistant sur lequel j'ai écrit pour le coup cette séquence. Mmh. Et que c'est un morceau que j'ai diffusé sur le plateau aussi. Pendant la scène, pour mettre les acteurs dans l'ambiance. Ouais. C'est ce que tu fais vraiment souvent. Bah, quand je suis sûr que c'est la musique que je vais utiliser, oui. Ouais. Je trouve que c'est la meilleure direction d'acteur possible. C'est une direction d'acteur qui ne passe pas par les mots, qui passe que par les sentiments, que par les émotions. Donc c'est magnifique quand on a le loisir de pouvoir mettre de la musique sur le plateau, c'est génial. Et tu as tourné cette scène
dans l'idée qu'elle serait une scène de générique ou c'était une film. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est une séquence de fin, mais comme il y a un peu une double, voire une triple fin dans le film, on s'est dit que ça serait plus digeste en mettant les crédits et plus. Plus comme une sorte de une façon de dire au revoir au public de manière un peu érotique, onirique et une façon de rendre hommage aux acteurs aussi, pareil, un peu comme chez Fekali finalement quoi. Mmh. En voyant une dernière fois les visages des acteurs avec leur nom gravé à l'écran. Il y a aussi dans les rencontres d'après minuit quelque chose d'assez beau, c'est le jukebox sensoriel. Donc ce jukebox sensoriel, c'est presque un personnage dans le film. C'est un jukebox qui joue la musique de l'humeur des personnages. Les personnages posent leurs mains dessus et leurs émotions sont retranscrites en musique. Et il y a notamment un morceau qu'on entend dans le film. C'est le morceau qui s'appelle Mo, ouais, de Route. Ouais. On en écoute un extrait. C'est bizarre d'écouter le morceau sans voir. Peut-être qu'on l'écoutera pas. Vous n'avez pas eu les droits de... Voilà. Des films pour aussi retrouver des morceaux qu'on a un peu oubliés et que vous repiochez. Partager les morceaux avec le public, je trouve ça plus intéressant et plus généreux d'aller chercher des morceaux qu'on connaît pas et de les faire découvrir à des gens qu'on connaît pas non plus. C'est plutôt chouette ce côté explorateur de la musique et en même temps c'est des morceaux qui provoquent des émotions sincères chez moi. Donc voilà, j'ai envie de partager ces émotions-là. Ça, c'est un album que vous aviez, que vous écoutiez Ça, c'est un morceau sur lequel j'étais tombé, sur une compilation, je crois, de... Années 80. Ouais. Et c'est un garçon qui chante. Qui s'appelle Route. Non, c'est son nom, le nom du groupe. Et l'idée du jukebox sensoriel, c'est... Est-ce que vous avez presque fait le film pour cette idée-là? Peut-être, mais c'est cette idée de traduire les émotions d'un personnage en musique. Donc voilà, c'est quelque chose dont tout le monde rêve, en fait. Et puis, quand on est dans la séduction, quand on emmène quelqu'un chez soi, on aimerait avoir cet appareil magique qui, tout à coup, nous permet d'emballer, en fait. Quand vous invitez des gens chez vous, vous leur passez de la musique? Bah oui. Le jukebox, c'est un objet qui te plaît particulièrement. Je dis tu, je dis vous. Mais... c'est un objet un peu fétiche. Non, mais je crois en une espèce de télépathie entre la machine et... Enfin, quand ça se passe bien avec quelqu'un, généralement, la playlist aléatoire, souvent, tombe plutôt pas mal aussi. Ça s'est souvent vérifié. Et quand la playlist est catastrophique, voilà, c'est, on ne va pas conclure, quoi. Ouais. C'est un motif de rupture, voire même un motif de rien ne démarre. Oui, de rien. Ouais. De rien. Bertrand Bonello, dans ton dernier film, Nocturama, quand les personnages sont retranchés dans le grand centre commercial, on les voit passer de la musique aussi. C'est pas un jukebox, un vrai jukebox, mais c'est une façon peut-être de faire jouer un jukebox. C'est aussi ce que filmer des gens qui passent de la musique au cinéma.
C'est quelque chose qui te plaît, voir des gens écouter de la musique qu'ils mettent. Oui, alors moi, par exemple, j'ai jamais utilisé de chansons qui ne soient pas écoutées par les personnages. J'ai jamais utilisé de chansons en score pour plein de raisons. Enfin bref, on va peut-être pas développer, mais enfin en tout cas, c'est donc s'il y a une chanson, c'est qu'elle est écoutée par les personnages et du coup, moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que le personnage et le spectateur sont au même niveau émotionnel. Et puis voir des gens écouter, pourquoi ils écoutent ça. Enfin, c'est le choix de la chanson, par exemple, n'est pas forcément quelque chose que j'adore, mais il est narratif. Enfin, c'est qu'est-ce que ça. Je mets longtemps à trouver le morceau parce qu'il doit raconter quelque chose sur et dramaturgiquement ou émotionnellement par rapport au personnage qui décide de mettre ça. Mmh. Donc là, dans Nocturama, on les voit notamment écouter plusieurs fois le morceau, le thème de John Barry. Du générique de Amicalement Vôtre. Ça, c'était un choix émotionnel pour moi. Enfin, c'est le dernier morceau qu'on écoute, qu'ils écoutent dans le film. La fin est proche, et donc leur fin est proche. Et je cherchais vraiment quelque chose qui, dans ce moment, entre guillemets, tragique et dramatique, ramène à l'enfance. Donc ça, c'est un morceau qui, moi, me ramène à l'enfance. Il y a toujours une raison, en fait. Voilà. C'est une Madeleine. Totale. Ben on va l'écouter tout de suite. Donc c'est John Barry, le thème très connu d'Amicalement Vôtre, suivi de Nocturama, votre dernier film. Bertrand, tu peux te replonger dans ton enfance justement et de ce moment où tu découvres. Je suis revoir le générique d'Amicalement Vôtre. Enfin, ça me fait vraiment un effet. C'est vraiment mon enfance, quoi. Voilà. Oui. Tu le voyais chez toi avec tes parents, en famille. TMC, 19h30. Et qu'est-ce qu'il a ce générique, ce thème de John Barry qui est assez parfait. Il est parfait, non. Il y a un truc. C'est assez dingue, en fait. Je réfléchis après coup, hein, parce que quand j'avais 7, 8 ans ou 9 ans, Mais il y a une mélancolie, quand même, dans cette musique. Et c'était assez gonflé, quand même, de mettre ça sur un générique de série commerciale. Qui était vraiment la série culte. Hein. Oui, qui n'est culte qu'en France, hein, parce qu'elle n'a pas marché ailleurs. Ils n'ont fait qu'une seule saison. Et quand Tony Curtis a vu la version française, parce qu'ils ont regardé tous en français, et il a dit, mais c'est qui le type qui me double? C'était Michel Roux. Hein, et il a dit, je demande à être doublé maintenant tout le temps par Michel Roux, qui est un acteur de théâtre de boulevard. C'était l'époque des grands doubleurs français. Ouais. Oui. Il n'y en a plus. Mais je vois moins de films doublés, mais c'est vrai que les certaines versions françaises de grands films sont parfois presque meilleures que les versions originales, quoi. Et là, tu as imaginé toute la séquence de fin avec cette musique en tête, le thème de John Barry. Oui, alors là, c'est des changements de point de vue. Donc à chaque fois, on revient en arrière et la musique qui redémarre nous permet de comprendre géographiquement en fait où on est. J'avais besoin de musique pour qu'on comprenne un petit peu la géographie en fait et la temporalité. Mais c'est vrai que j'ai pu finir d'écrire la scène quand j'avais la musique en tête. On me dit voilà, c'est ça, c'est le sentiment de l'enfance qui revient. Et même si le personnage a 20 ans de moins que moi, enfin c'est des séries qui se revoient. Moi je l'ai pas vu quand ça passait la première fois. Hein. Enfin tout le monde connaît ça et c'est cette musique de Barry, elle fait un effet à tout le monde. C'est Et toi, elle te fait quel effet? Tu as ah bah moi aussi également votre. Je trouve magnifique. Hein. C'est une série que tu as beaucoup regardée? Non, pas vraiment. C'est pas grave. Je vous ai demandé aussi. Mais c'est vrai que ce générique, tout le monde le connaît, ouais. Ouais. Je vous ai demandé à chacun la séquence la plus sexy, la séquence musicale la plus sexy. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? C'est les Prédateurs, non? Les Prédateurs, Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon, en pleine scène de séduction, plus. Et pour Bertrand, j'en avais donné deux, mais je Twin pense. Twin Peaks. Ouais, le Pink Room. Oui. Alors Romain, ce sera donc la toute dernière séquence, la numéro 7, je crois. Les Prédateurs et Twin Peaks. On regarde ça. Oh non.
normalement dure 8 minutes. Ouais, c'est ouais. un sacrilège, on l'a coupé à 2 et quelques. Ouais, je... Pas trop dur. Non, mais, finalement, c'est ouvertement moins sexy que ce que Yann a proposé. Mais c'est quand on. C'était pas on... un concours. Hein. Non. Mais ça reste soft aussi. Hein, c'est... Non, mais en fait, c'est quand. En fait, c'est le rapport au mal, en fait, je pense, qui est sexy dans cette scène. C'est l'interdit, c'est le mal, c'est là où il ne faut pas aller. C'est le... En fait, c'est une image de l'enfer, en fait. Et on imagine que l'enfer, c'est sexy, quoi. Enfin, moi, j'imagine ça comme ça, mais bon. Donc, c'est le désir plus danger. Exactement. C'est une scène très, très dangereuse, en fait. Ouais. Quand on voit le film et qu'on arrive là, c'est une scène dangereuse. C'est une atmosphère comme ça. De... Et du coup, moi, je trouve que ça la rend très sexy. Ouais. Et pourtant, il n'y a rien. Il y a 15 figurants. Des bûcherons qui boivent de la bière. Enfin, c'est vrai que quand j'ai utilisé le mot sexy et ça, on l'a regardé, ouais. Mais qu'est-ce qui m'a pris ? En fait, si, je sais. Non, je mais sais, on est d'emblée à plan plongé. Oui, donc quelque chose de dangereux. C'est vraiment le premier mot qui m'est venu à l'esprit aussi en la revoyant. Quoi. C'est fou. Il y a aussi beaucoup de dangers dans Les Prédateurs de Tony Scott. Oui, mais pas, peut-être pas dans cette, dans cette scène. Dans cette séquence, ouais. On voit quand même déjà du sang. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est un film de vampire, en fait. Mmh. Et du coup, Catherine Deneuve va finir par mordre et par vampiriser Susan Sarandon. Mmh. Ouais. Et alors pourquoi mais ce qui est très beau, c'est le début de la séquence aussi qu'on n'a pas montré. Oui. Où, Catherine Deneuve commence à jouer au piano. Voilà, elle raconte l'histoire du l'acmé de Delib. Qui est le morceau qu'on entend. Voilà, qui est un morceau qui raconte une légende, d'histoire d'amour entre deux femmes. Quoi. Et la manière dont elle parle, dont elle séduit Susan Sarandon par la parole, en fait, et quand la musique commence à arriver. Ça donne vraiment toute l'intensité érotique de la séquence. Qu'on ne voit pas forcément venir, parce que chacune, a priori, vit avec un homme. Oui, c'est ça. Et d'un coup, le film bascule. Ouais. Là. Et quand on voit ça à 15 ans, on devient un peu fou. C'est un film que tu revois ? Ouais, c'est un film que je revois, que je montre aux gens que j'aime, que je fais découvrir aux gens que j'aime. C'est un film qui est très daté, années 80, de l'esthétique des années 80. Et en même temps, dans lequel il y a une vraie émotion, des moments liés à la musique qui sont très forts. Il y a aussi la scène d'ouverture avec une musique de Barros, Bela Lugosi's Dead, qui est aussi que j'aurais pu mettre en plus belle scène d'ouverture, quoi. Qui est pareil, une séquence où le danger, l'électricité de la nuit est vraiment prégnante. Donc voilà, c'est un film à découvrir adolescent, mais il me provoque toujours les mêmes émotions chez moi. Ouais. On va passer maintenant le micro au public dans la salle. C'est Marie qui passe le micro. Ah bah voilà, elle fait vraiment tout, Marie. Je donne mon micro. Qui a des questions ? Levez la main. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour votre participation. Ma question, ce sera, c'est rendez-vous SACEM, on ne va pas se le cacher. Est-ce que vous avez eu des musiques que vous n'avez pas pu utiliser et on vous a dit non, il ne faut pas toucher à ça ? Pas toucher dans quel sens ? Soit c'était trop cher, soit la personne ne vous voulait pas. Oui, tout à fait. Les deux cas, d'ailleurs. Je voulais utiliser pour le film que je suis en train de monter là en ce moment le chant des partisans. Les ayants droit refusent et je trouve ça dommage parce que c'est un très beau chant de résistants et que c'est dommage de priver les gens de pouvoir écouter ce chant de la résistance. Mais c'est pas libre de droit. Pas encore. Ah oui. Non, ça a été composé pendant la résistance, en 1942, et les auteurs et compositeurs sont morts dans les années 70. Donc c'est passé 70 ans après la mort. Après la mort. C'est ça. Ouais. Et les choses trop chères, ça évidemment, ça c'est... par exemple, je voulais un jour un morceau instrumental vraiment inconnu des Pink Floyd, ils ont demandé 100 000 euros. Ouais. Donc je l'ai refait, voilà, ça m'a coûté beaucoup moins cher. Je l'ai ouvertement copié, mais à ce prix-là, franchement... Donc oui, ça arrive qu'on ne puisse pas utiliser des choses qu'on désire, oui. Pourquoi le chant des partisans vous a été refusé ? Les ayants droit ont exprimé un refus clair et net. De raison ? Non, aujourd'hui, nous ne souhaitons pas. Voilà. En tout cas, je peux parler pour moi, moi j'ai fait une demande et ils m'ont dit non. Je ne sais pas si quelqu'un, peut-être un metteur en scène qui préférerait, il dirait oui, mais là c'était...
Moi, ça m'est arrivé sur un court-métrage, mais c'est pas très passionnant à raconter. Après, ça a été très très compliqué. Je me suis battu très fort pour une chanson de Marie Laforêt qui est dans le dernier film. Ouais, je me suis battu pendant 2 mois. J'ai fait une longue lettre à Marie Laforêt. Et on est passé par sa fille, par Lisa Azuelos, qui est intervenue pour nous et qui a fait qu'on a pu obtenir in fine les droits de la chanson. Et ouais, mais c'est vraiment, c'était avec toute mon obstination et je voulais vraiment pas me passer de cette chanson. Mais c'est difficile hein, de faire le deuil d'une chanson sur laquelle on a monté des images. C'est en fin de parcours, c'est très compliqué. Ça a pas été, c'était pas une question de prix, c'était une question d'entrer en contact avec Marie Laforêt, en fait. Non, je crois que c'était pas si cher que ça, au final. Enfin, je sais plus. Bonsoir. Bonsoir. Je vais poser la question pour tous les deux, mais je rebondis sur ce que tu disais, Yann, sur cette étape du montage, du coup, où la musique elle a été utilisée. Comme vous faites des fois des films où la musique est composée après ou est trouvée après, comment ça se passe pour le montage? Parce qu'il y a la question, en plus, on avait beaucoup parlé de la musicalité d'une séquence dans la façon de les monter. Comment est-ce que ça se passe du coup quand la musique va venir après? Est-ce que tu montes avec des, enfin, est-ce que vous montez avec des musiques qui après sont retirées ou est-ce que, enfin voilà, comment est-ce que vous procédez? Ouais, ça m'arrive assez souvent de faire un pré-montage sur une musique préexistante qui pourrait ressembler à la musique qui va être composée sur les images. Donc généralement on fait un montage assez approximatif. Et on envoie ça, enfin j'envoie ça à mon frère, et on essaie d'avoir la musique très vite pour vraiment travailler le montage à partir de la musique. C'est vraiment très très important, la musique définitive, quoi. Sinon c'est compliqué, il faut tout reconstruire, il faut tout retisser en fait. Et c'est vraiment un travail. Il y a un montage musical et on fait un montage d'image à partir de ce montage musical, quoi. Donc c'est compliqué de travailler sans quand la séquence est très musicale. Ben moi, j'essaie d'arriver en salle de montage avec tout. Ouais. Après, je les retravaille pendant le montage. Hein. Logiquement, j'arrive avec les musiques, on dit tiens, on va mettre celle-ci. Et après, je repars avec la scène chez moi et je la mets à la bonne durée, etc. Mais enfin, j'essaie d'arriver avec tout. Ou quand je sens qu'il y a une scène que je n'avais pas pensé en musique et qui en a besoin, j'essaye rien parce que j'ai vraiment la trouille de mettre un disque et puis après je repars avec la scène et je la fais pendant le week-end, enfin je reviens le lundi au montage avec une ébauche de musique, mais c'est des espèces d'allers-retours comme ça. Mais je déconseille assez de mettre des CD dont on n'a pas les droits ou qu'il va falloir enlever parce que ça peut être extrêmement douloureux parfois. Ça m'est arrivé une fois et ça a été un cauchemar irremplaçable, etc., et pourtant pas possible d'avoir accès, enfin c'est... Mais c'est très beau, les moments où la musique définitive arrive, parce que ça redonne une dynamique au montage, et ça redonne de la vie au film. C'est très fort, c'est des moments très émouvants pour un monteur et un réalisateur. Question ? Bonsoir. Oui, ben... Je trouvais que vous étiez quand même vachement plus proche d'un réalisateur, enfin tous les deux, américain, je crois, qui avait fait Dead Man. Mais en fait, il avait d'abord fait la musique et après, il a fait le film par-dessus. Et j'ai l'impression, à vous écouter, que vous êtes quand même vachement plus proche de ce réalisateur que de Bresson vieux, quoi. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait le cas, hein, que c'est Neil Young qui on a projeté le film. Et qui a vraiment joué devant sur 2 heures. Et après, Jarmusch a choisi un petit peu où est-ce qu'il mettait de la musique, où est-ce qu'il n'en mettait pas. Après qu'il ait peut-être fait un premier montage avec d'autres morceaux de Neil Young, c'est possible. Mais moi, j'ai des photos qui sont assez belles, hein, de Neil Young tout seul avec, devant un grand écran. Il y a Dead Man et puis il est là avec son ampli. Et, enfin, il joue en live, en fait. C'est, ouais. Et on le sent dans le film, d'ailleurs. C'est, il regarde vraiment les images et il joue, quoi. C'est... À moins qu'ils aient fait ça en 2 fois, peut-être. Mais c'est comme ça que c'est dans mon souvenir, du moins. Peut-être je me trompe.
Bah après, je ne sais pas s'il y a des méthodes françaises et des méthodes américaines. Je le garde. Chaque cinéaste a sa méthode, je pense, au-delà des nationalités. Enfin, quand même, la musique est très présente dans vos films, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, mais comme dans beaucoup de films français aussi. Pas forcément, mais spécialement des films américains. Non, mais c'est quand même un peu plus intime. Enfin, je trouve que c'est... Enfin, bon, par rapport à des musiques qu'on entend la plupart du temps qui sont entraînantes, qui ne sont pas forcément très intéressantes. Alors simplement, enfin, je pense que peut-être que Yann et moi, on aime bien la faire entendre. Enfin, en tout cas, quand elle est dans un film. Et il y a beaucoup de films français, par exemple, où on ne l'entend pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient se glisser derrière. C'est une musique très, très illustrative, en effet. Et que moi, j'essaie toujours que la musique raconte quelque chose plutôt qu'elle illustre. Donc, c'est pas du score qui vient se glisser derrière des ambiances, etc. Je pense que dans nos films, quand il y a une musique, on la fait entendre, on la met devant. Ça, c'est. Ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui déploie les affects et les actions des personnages. Non, je dis que je suis, même si j'aime beaucoup ça et que j'en mets beaucoup, je suis très vigilant à pas l'utiliser. Par exemple, pour combler un manque. Là où c'est vrai qu'on pour manipuler quelque chose. J'essaie que ce soit des contrepoints. C'est pour ça que je l'écris vachement en avance aussi. C'est parce que j'ai peur. Enfin, c'est aussi ça. Après c'est. On peut se poser 1000 questions. Qu'est-ce qu'une bonne musique de film ? À quoi sert la musique dans le film ? Qu'est-ce qu'une bonne musique de film, par exemple ? Une bonne musique de film n'est pas forcément une bonne musique, par ailleurs. Mais c'est une bonne musique de film. Voilà, c'est des questions que moi, je me pose beaucoup pour essayer de l'utiliser au mieux, pas à la truelle ou pas de manière manipulatrice. Yann parle d'affect, mais l'affect, c'est pas de la manipulation. C'est autre chose, c'est plus intime, enfin, oui. Une question ici. Bonsoir, merci pour ce bel échange. Question pour Bertrand. Tout à l'heure, vous avez dit que si vous utilisez une chanson dans votre film, c'est nécessairement diégétique, donc entendu par les personnages. Absolument. Donc, je voulais juste savoir pourquoi ce choix-là. Est-ce que c'est un choix esthétique ou c'est un choix d'émotion ? Il y a plein de raisons. Il y a des raisons un peu théoriques et des raisons affectives. D'abord, je trouve ça... Bon, qu'une musique instrumentale arrive, on la comprend. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi dans un film, il y a quelqu'un qui se met à chanter comme ça par-dessus. Alors, il faut que le personnage l'entende. Enfin, c'est des trucs qui me semblent juste un peu étranges. Et l'autre chose, c'est que... comment je pourrais dire ça ? Je vais rebondir sur ce que je disais juste avant. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne musique de film ? C'est parfois une musique qui n'est pas formidable, mais qui est bien pour le film. Une chanson, c'est quelque chose de complet. Elle n'a pas besoin, finalement, de l'image. Ou alors, c'est qu'elle est vraiment ratée. Donc, si elle arrive sur le film, j'ai l'impression qu'elle va le bouffer, le manger. Sauf si on s'en sert scénaristiquement. C'est-à-dire, c'est un personnage qui le met. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais je dis ça même sur... c'est compliqué d'utiliser même un morceau de Mahler. Alors, il y a des très grands qui l'ont fait, Visconti l'a fait, etc. Mais à un moment, c'est tellement énorme que... Mahler n'a pas besoin du film. Peut-être que le film a besoin de Mahler, mais Mahler n'a pas besoin du film. Voilà, c'est pour ça que je trouve que même une chanson, elle n'a pas besoin du film, si elle est si bien que ça. Et si je... Voilà. Ah bah après, c'était très beau ce que tu disais tout à l'heure aussi, par rapport à ressentir l'émotion d'un personnage qui écoute de la musique. Ça, c'est différent. D'ailleurs, t'as fait un film sur ça. Oui, mais c'est le personnage qui a besoin de cette chanson, c'est pas le film qui en a besoin. Enfin, c'est... Mais comme un effet miroir, c'est tout à coup le personnage va écouter la même musique que vous et on est au même stade, oui. Ouais, 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 ouais. Merci. La musique d'un film, est-ce qu'on peut imaginer comme un acteur, parce que la musique doit jouer aussi, passer aussi de l'émotion, être. Moi, j'adore la musique des films, vraiment, j'adore. Mais je pense que la musique, c'est ce qu'habille, en fait, le film, c'est ce qui donne tout un sens. Et c'est la... D'ailleurs, pour ça, j'aime beaucoup les films américains, parce qu'ils utilisent beaucoup, beaucoup la musique. C'est beaucoup, beaucoup. Les Français aussi, voilà. Mais moi, quand même, en France, je n'utilise pas trop dans la musique. Le film américain, il te laisse, parce que j'ai fait un petit cours à SAO Paris, et sur mes montages, j'utilisais souvent la musique, et ils me disaient...
oh, mais Rose, il faut laisser respirer un peu, il ne faut pas tout le temps utiliser la musique. Moi, je ne laissais pas, c'était la musique du début à la fin. Oui. Voilà, donc je ne sais pas si j'étais... Moi, j'ai du mal avec cette idée de musique comme personnage. La musique, c'est de la musique. La musique est là pour rendre les personnages plus forts, plus complexes, pour créer du trouble aussi. Moi, ce qui me plaît, c'est l'espèce de hiatus entre un personnage et une musique. Donc, quand la musique n'est pas illustrative et qu'elle raconte un peu autre chose que ce que le personnage est en train de vivre. Et du coup, il y a une troisième chose qui se produit à l'écran et qui est souvent mystérieuse. Et c'est ce mystère qui m'intéresse et qui est produit par la musique et qui est produit par l'équation entre la musique et le personnage. Bonsoir à tous. Merci pour cet échange. Je voulais déjà rebondir à ce qu'a dit monsieur par rapport au film, aux musiques qui a été créées après le film. Je voulais rajouter l'exemple de Luyman avec l'ascenseur pour l'échafaud, avec la musique de Miles Davis. De Miles Davis. Et ma question, c'était si on devait parler d'un réalisateur dont la musique et le cinéma sont très importants, ce serait Tarantino. Et ma question, c'est est-ce que vous trouvez que c'est ringard ou est-ce que c'est du génie Tarantino? Ben non, ben moi je trouve ça génial. C'est quelqu'un qui a une connaissance de la musique presque aussi grande que celle du cinéma et qui pareil va chercher des musiques parfois obscures ou des musiques de films qui ont, je pense, traversé sa vie et qui le fait avec une joie qui est patente à l'écran, donc c'est souvent jubilatoire. Après, moi, j'ai découvert Pulp Fiction à 15 ans au Festival de Cannes. C'était un des premiers films que je voyais là-bas. Donc, j'ai vu ça comme une grande fête. Et pour moi, Tarantino, c'est presque un immense DJ dans une fête de cinéma, quoi. Quelqu'un qui va chercher des musiques qui vont faire exploser ses personnages. Vraiment, c'est ça. Donc non, c'est jouissif, Tarantino. C'est génial. Après, j'aime pas tous les films de la même manière, avec le tous les films proposent pas la même émotion chez moi, mais par contre, par exemple, ce qu'il fait dans Death Proof, c'est incroyable. Il y a une séquence, par exemple, où il va citer il prend un vieux morceau d'un film de Dario Argento, de Quatre Mouches de velours gris, je crois, un morceau d'Ennio Morricone, il le réinterprète, il le réadapte, et ça raconte tout à fait autre chose. Donc c'est pas seulement de la citation, c'est tout à coup un regard autre, une oreille autre sur une musique qu'on connaît déjà, qui revisite, quoi. C'est comme des remixes, en fait, quoi. Et c'est ça que je trouve très beau chez Tarantino. C'est des remixes, et en même temps, c'est totalement nouveau. Ici. Pas mieux. Oui, bonsoir. En fait, j'ai une question par rapport à l'utilisation de musique plutôt que de musique originale. Et en fait, ma question, c'est plutôt... Tout d'abord, est-ce que vous pensez, Bertrand et Yann, que le compositeur de musique de film est un auteur dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un rapport différent quand on utilise une musique qui existe déjà? Est-ce qu'il faut peut-être être bressonien avec la musique comme on est avec l'acteur, et dans ce cas-là, accepter ou d'un côté accepter le fait que cette musique-là existe déjà dans d'autres films aussi, comme dans le vôtre, ou est-ce qu'il faut aller au point de même d'imiter l'orchestration d'une pièce pour avoir un son qu'on apprécie? Lequel est plus important, avoir une musique qui ressemble à votre film ou une musique qui est uniquement existante dans votre film? Enfin, ce sont des choses différentes. Après, je ne pense pas qu'on puisse prendre une musique existante et s'imaginer qu'elle ne nous appartient qu'à nous. C'est quand on prend une musique existante,
on affirme qu'elle est existante, qu'elle appartient à un disque ou voire à d'autres films. Quand quand on prend une musique originale, on sait que ce sera la musique de ce film-là. Donc ce sont des choix qui veut dire des choses différentes. C'est dans ce sens-là où moi j'ai un petit peu, je disais tout à l'heure, c'est que j'avais du mal à prendre des choses existantes et d'en faire du score. Si je prends quelque chose d'existant, c'est parce que ça existe dans la vie, donc les personnages peuvent l'écouter. De ce point de vue-là, il y a des... moi je suis assez... vous parliez de la notion d'auteur, etc. Moi je suis assez touché par les couples de réalisateurs musiciens. Il y en a des mythiques comme ça, et c'est des très très belles histoires, et c'est des gens qui sont allés très très loin... que ce soit les Hitchcock, Herman, les Cronenberg, Howard Shore, Lynch, Badalamenti, le Fellini, Nino Rota, enfin voilà, là c'est on sent que ce sont ils travaillent ensemble la musicalité au sens large du film. Après mettre un truc existant, ça peut être très beau aussi, mais on peut pas se dire ça n'appartient qu'à mon film, on va le chercher ailleurs. Mais c'est un autre geste, mais ils sont pas antinomiques. On sait que ça n'appartient pas seulement à notre film, mais peut-être on a un tout petit peu la prétention de se dire qu'on l'écoute avec notre oreille, que du coup cette perception-là, cette réception-là de la musique va peut-être produire quelque chose d'un peu différent dans la manière dont on va l'utiliser, parce que voilà, on a ressenti quelque chose de particulier et que cette musique a produit quelque chose de particulier en nous à ce moment-là. Et moi, c'est cette émotion-là qui m'intéresse, cette réception-là, que j'ai envie de traduire en image. Pour que le spectateur, dans l'idéal, ressente cette même émotion que j'ai ressentie la première fois que je l'ai écouté. Alors, on a une question ici au fond. On a une tout devant aussi. Bonsoir. Bah, d'abord, merci pour cet échange. Moi, j'avais une petite question parce qu'en fait, on voit vous entendre qu'il n'y a quand même pas de règles théoriques bien définies dans le choix des musiques, etc., que chacun obéit en fait à sa propre grammaire ou ses propres règles ou son expérience. Mais je me demandais quand même, une fois que le choix de la musique est fait, même en dehors de la couleur musicale, de la narration ou du personnage, est-ce qu'il n'y a pas un travail ensuite de mise en scène et après peut-être plus technique dans comment la musique est utilisée pour traduire l'espace ou pour parler d'espace en fait, dans le mouvement de la caméra, mais aussi bien dans... l'espace dramatique de la scène, voilà. Enfin, il y avait quand même les deux premières scènes de film qui étaient des boîtes de nuit, donc c'est dans une ambiance particulière. voilà, s'il y a des scènes plus intimistes, enfin, comment vous travaillez même techniquement ou pour écrire les scènes sur la musique et comment elle peut dire de l'espace en fait. Bah, chez moi, c'est assez intuitif en fait. C'est effectivement la musique qui induit la mise en scène, qui guide la mise en scène. Qui m'aide à découper quand je l'écoute. C'est vraiment un travail de mise en scène par rapport à la musique. Mais c'est ce rapport organique en fait avec la musique qui provoque des images et du coup des plans et du coup du montage. Tout ça doit ne faire qu'un au final. Donc ouais, il faut que ça devienne organique et que ça soit organique dès le départ. Et puis il y a aussi, parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu dans votre question, un truc assez fondamental, c'est le mixage aussi. C'est-à-dire, c'est bien beau la musique, mais enfin, lui trouver sa place dans l'espace sonore, c'est assez compliqué. On peut flinguer avec une bonne musique, une bonne scène, si elle l'écrase, faut faire très attention à ce que ça ne devienne pas un clip. Enfin, moi, justement, quand il y a des gens qui écoutent de la musique ou dans boîte de nuit, etc., moi, si je ne sens pas, par exemple, le direct, si je ne sens pas le vêtement qui bouge, etc., je me dis, bah voilà, bah, c'est un clip, et je ne regarde même plus les images, ça m'a tout écrasé. Donc c'est la mise en espace, elle est assez complexe aussi. Enfin, c'est vrai que, et c'est dans ce sens-là aussi, je dis, il faut faire attention à la séduction de la musique. On met un morceau qu'on aime, on veut le mettre fort. Enfin, si on le met trop fort, il écrase tout. Il n'a plus besoin des images. Enfin, c'est le mixage, c'est quand même assez fondamental. On peut flinguer des scènes. Hein. Alors, dernière question peut-être. Une dernière question. Tout devant. Je ne prétends pas avoir vu tous les films français, mais ce qui me frappe quand même, c'est que je n'ai pas vu, parmi les films français que je connais, j'en ai vu quand même pas mal,
une utilisation de la musique en harmonie et en contradiction en même temps. Je pense, par exemple, dans 8 et demi, à l'utilisation du Barbier de Séville dans la séquence où Marcello Maestroniani croise des bonnes sœurs et on entend le Barbier de Séville. Et je pense que c'est une séquence assez extraordinaire où la musique est en harmonie et en contradiction en même temps et change et notre perception de la musique et notre perception des images. Et je retrouve la même chose, mais évidemment utilisée d'une autre façon dans La moisson des 3000 ans de Haile Gerima, du cinéaste éthiopien. Et ça m'avait frappé que quand je lui ai demandé pourquoi, enfin, comment il avait travaillé sa bande-son, ça m'avait abasourdi que plusieurs personnes avaient passé 6 mois à travailler la bande-son. Et je ne sais pas, je n'ai pas vu un intérêt pour la bande-son, pareil dans le cinéma français. Pourquoi ? Je ne sais pas, je veux dire culturellement, pourquoi ? C'est très beau les émotions que vous décrivez. Je suis sûr qu'on peut trouver des exemples de musique qui contredisent et harmonisent les actions sur l'écran. Là, j'en ai pas en tête. Mais après, voilà, dans les films qu'on a montrés, j'ai l'impression que voilà, il y a des choses très très fortes liées à la musique. Alors, je me souviens pas de cette séquence de 8 et demi. Il faudrait que je le revoie. Et je connais pas ce film éthiopien, mais c'est génial. Voilà, vous nous donnez envie de le découvrir. Et quand vous parlez de 6 mois pour faire la musique, bah oui, ça fait rêver. La bande-son, oui, pour créer la bande-son. Mais ça, c'est génial. Vous savez, ce dont on manque cruellement en France et ailleurs, mais peut-être spécialement en France, c'est de temps. Donc nous, on rêverait de travailler sur un film pendant 2 ans et d'avoir 6 mois pour faire la musique. Ça serait génial. Alors peut-être qu'on trouverait encore plus de richesse, de contradiction, d'harmonie, de dissonance. Voilà, peut-être qu'on est un peu paresseux, je ne sais pas. Mais ben, vous nous encouragez à faire encore mieux la prochaine fois. Merci à tous d'être venus. Merci Yann, merci Bertrand. On va se quitter en musique, évidemment. Et en cinéma aussi, puisqu'on va voir un extrait de la Polonide. Je voulais terminer sur cette séquence magnifique où on voit les femmes de la maison close danser dans un mouvement comme ça, de danse, deux par deux. C'est beau, c'est mélancolique. C'est un morceau des Moody Blues, Night in White Satin. Peut-être un mot avant qu'on le voit, un mot sur cette scène et sur ce choix de musique. Alors c'est une scène qui vient juste après la mort de l'une d'entre elles. C'est une scène de deuil en fait. Et alors je peux théoriser beaucoup beaucoup de choses. Et puis il y a des choses, c'est vraiment des trucs qui vous viennent comme ça. J'ai vu ces 10 femmes danser sur ce morceau qui n'est évidemment pas d'époque, etc. Puisque le film se passe en 1900. Et je me suis dit voilà, pour moi la scène de deuil c'est ça. C'est une idée qui est arrivée comme ça et qui n'a pas bougé depuis le traitement jusqu'au mixage final. Ce sera la scène de fin de cette rencontre, suivie d'un cocktail. Vous êtes évidemment les bienvenus. Merci. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before.